tôt dans la journée, des agents de sécurité ont pris 250 000 euros cash dans un coffre-fort. Un fourgon blindé a assuré le transport de cet argent jusqu'à notre plateau, placé sous haute surveillance. Ces 250 000 euros vont être confiés à un duo de candidats. Leur défi maintenant, les garder. Bonsoir et bienvenue dans Money Drop. Je suis ravie de vous accueillir sur le plateau de Money Drop en ce jour de Noël. Un Money Drop un peu spécial ce soir, car devant moi, ce ne sont pas 250 000 euros cash, mais plein de cadeaux pour toute la petite famille de Money Drop. Et comme bien sûr vous faites partie de cette famille, voici pour vous les meilleurs moments des 500 émissions que nous avons passées ensemble depuis plus de 3 ans quand même. Voici le best-of de Money Drop. Carrément, vous alors. Oui, vous aussi, je vous adore. Ah, moi aussi. Ça va, comment allez-vous, Laurence? Pas mal, bonsoir. Je peux vous... Je peux vous dire quelque chose? Vous êtes encore plus belle en vrai qu'à la télé. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Alors, moi, je suis sapeur-pompier. Et en même temps, je suis un petit peu arbitre de foot les week-ends. D'accord, et voilà. Vous? Donc, le sapeur-pompier va avec l'esthéticienne ou la coiffeuse. Ah bon? Eh ben ouais, c'est le prototype chez nous. Ah bon? Des fois une infirmière parce qu'on les croit souvent aussi. Non, les infirmières c'est les maîtresses. C'est ça qui reste aux urgences. Je savais pas, mais c'est une tradition. Voilà, c'est comme ça, c'est sectorisé. C'est... On peut pas sortir de la caste. Donc j'aurais aucune chance avec un sapeur-pompier. Il y a toujours des exceptions pour confirmer les règles, bien sûr. Ça me rassure. Non, mais sérieux. Vous voulez aller les voir, c'est ça? Oui, allez-y, oui. Allez-y, allez-y. Touche pas. Touche pas? Non. Ça donne la barre. Pareil. Hein. Allez, on va mettre un bon fluide. Ah oui, d'accord. Ok. Mais, j'en prends plein les yeux. Des candidats assortis. C'est exceptionnel. Mais qu'est-ce que c'est magnifique. Tenue de la Côte d'Ivoire. Tenue de la Côte d'Ivoire. Qui, vous l'avez faite? Ma sœur est née. C'est magnifique. Non, mais et vous, ça vous va bien. Hein. Oui, Evelyne n'était pas là. Et j'ai donné mes mensurations. J'ai dit, écoute, comme on a la même taille, tout ça, tu fais à ta taille. Ouais. Et puis mon mari, chose du 42, ben, tu fais une chemise. Comme ça. Mon mari, chose du 42, tu lui feras une chemise. Et ça tombe bien. Ça tombe au poil. Moi, je dis, ça tombe au poil, chérie. Mademoiselle, bonjour. Bonjour, Laurence. Vous allez bien? Bonjour, Laurence. Qui est Adeline? Qui est Lucie? Qu'est-ce qui se passe? Je suis trop contente de vous rencontrer. Moi, je suis Lucie. Alors, Lucie. Moi, c'est Adeline. Adeline. Oui. Ça va? Oui, je suis trop contente. D'accord. Moi aussi, je suis bien contente. Ah oui, d'accord. J'avais envie de me rencontrer. Oui. Et alors? Je vais pleurer. Oh non. Non, je suis vraiment contente. Non, je suis gentille. Je suis trop contente. Comment allez-vous? Bonsoir Laurent, ça va très bien, merci. Bonsoir. Ça va? Alors qui est Gary, qui est Yannick? Moi je suis Gary et lui c'est Yannick. C'est Yannick. Et, d'accord. Le lien de parenté? C'est mon grand-père. C'est mon grand-père. Ça commence bien. Ah bah. C'est mon petit-fils. Il les fait pas. Hein. Ah. Bonjour Laurence, enchanté de vous voir depuis le temps que je vous vois à la télé. Bonsoir. Merci, Laurence. Voilà. Ça va? Impeccable. Vous avez pas besoin de me hurler dessus comme ça. On est à 10 cm et j'entends aller. Très bien. Hein, donc, Non, mais les gens sont habitués. Oui, mais pas moi. Moi, je vous rencontre. Donc, qu'est-ce que vous faites dans la vie? À votre avis? Ah, ben j'en sais rien. Retraité. Retraité de quoi? Je conduisais les trains. D'accord. Vous voulez pas avoir peur, hein? Ah non. Bah maintenant vous les conduisez plus. Bah non, ça va. On est rassurés. Oui. En fait, sur Money Drop, c'est toujours un petit peu Noël, c'est vrai. 250 000 euros à gagner, c'est quand même un très beau cadeau. Alors vous feriez quoi, vous, Xavier, des 250 000 euros? Ok. Comme d'habitude, merci Xavier. En tout cas, nos candidats, eux, ne manquent pas d'imagination.
est-ce que vous allez faire des 250 000 euros? Je voudrais lui faire une surprise à mon mari. Ah ben c'est une surprise, on peut pas en parler. Si, ah, si on peut en parler, d'accord. Non, est-ce que tu veux, pour mettre 35 ans de mariage, on se remarie? C'est oui ou non? Ben, c'est oui, hein. C'est oui, parce que... quitter ma femme et refaire ma vie aux États-Unis. L'argent fait tout. Bon, alors... quitter votre femme et... Ouais. Et bah, l'argent fait tout, donc après, s'il y a négociation avec d'autres femmes. Je vais partir aux États-Unis et refaire ma vie. Ok, c'est bien. Vous avez une femme, chérie. Donc vous avez une femme. Vous avez des enfants? Oui. Ah, en plus, en... un et un. Qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça? Plein de trucs. Une grosse chouille. Déjà. Une grosse chouille. Une fête, grosse chouille. Une grosse, hein, vraiment. D'accord. Ça prend des tas de mots. Et puis, vous invitez au resto si on gagne. Ah, si bon, vous êtes cap ou pas cap. Hein. Si quoi? Si vous êtes cap. D'aller au resto avec vous? Oui. Pff, moi, rien ne me fait peur. Eh bien, écoutez, moi, j'aimerais déjà investir un peu dans mon entreprise. Mm-hmm. Et puis ensuite, surtout partir en vacances avec les copains à Rio, à Rio, Brésil, pour les Jeux Olympiques et pour la Coupe du Monde. Ah bien. Et vous? Ben, j'investirai dans son entreprise. Bien hein, sûr. Il faut toujours aider les petits jeunes. Vous, voilà. Et puis, j'irai aussi à Rio. Non. Parce que... Pourquoi? Ah non. Merci. Je trouve qu'il faut toujours... Ah ben, la raison. S'assurer... Vous n'allez pas partir tout seul? Non, il n'a pas l'intention de partir tout seul, il a l'intention de partir avec des copains. Vous ah ben imaginez en plus, bien... Écoutez... Alors, ça dépendra de la somme d'argent, mais je pense que toi, tu voyageras en tourisme, et moi, j'irai en première. D'accord. Voilà. Ok. Le projet avec les 250 000 euros? Accession à la propriété, moi. Et vous aussi? Alors moi, j'aimerais payer un voyage à mes parents, comme ils sont assez âgés, ils n'ont jamais été en voyage, j'aimerais leur payer un voyage en Égypte. Il est mignon, lui. Pas comme vous, égoïste. Je pense pas comme moi. Il y a un voyage à ses parents. Ah, l'Égypte. Et partir en Thaïlande avec mon beau-frère. Ah, et voilà. Et moi, d'abord, le voyage pour voilà, les parents. Les parents. Oh, c'est mieux. Vous avez un bon cœur. Oui. Bon, bah, je vous le souhaite, hein, les 250 ah, oui. 000 euros. Nous aussi. Oui, voilà. Bah, oui, logiquement. Logiquement, oui. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec les 250 000? Bon, ça fait déjà 40 ans que je suis avec ma femme. Déjà, je la remercie de m'avoir pu supporter mon 40 ans avec autant d'amour et de douceur. Je lui offrirai un voyage autour de la Terre. Mais toute seule pour qu'elle se repose. Non. Ah non, Laurent, ça, vous n'avez jamais le dernier mot, hein. Non, mais là, croyez-moi, oui. Je suis tellement content d'elle, je lui ferai... Et s'il me reste... Des sous, d'accord. Des sous, je lui promets de lui faire un plongeon dans les mers du Sud. Et si, en cas de téléchec, ça sera un plongeon dans la piscine municipale de ma commune. Enfin, le geste qui compte, hein. C'est des gens qui savent parler aux femmes, hein. Non. Ah, mais c'est grâce à ça que j'ai réussi à l'avoir. C'est grâce à comme ça que je l'ai eu, bon. Moi. Quel est le projet pour les 250 000 euros? Je voudrais, au moins une fois dans ma vie, aller dans un bel hôtel, là où on brosse les tapis, les petits poils là, tout comme ça, dans le bon sens, avec une baignoire où il y a déjà de la mousse, des pétales de rose sur le lit, pas un pied sur les draps. Si, il y aura même du parfum à disposition. Moi, je connais qu'un endroit comme ça, c'est chez Ariel Dombal. Hein. Mais, marqué pour 250 000 euros, ils peuvent vous mettre des pétales de rose. Ben, hein. Je veux. Alors, ah ben je vous le souhaite. Et sur le plateau de Money Drop, il y a une chose sur laquelle on est très, très, très à cheval. Ici, pas de dérapage. Hein. C'est tenu et langage correct exigé. Enfin, presque. Barak Kama Sutra. Oh. En fait? Ouais. Kamasutra? Ouais. Pourvu que ce soit marqué la levrette. Bon, allez. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit pourvu que ce soit marqué la levrette. Je précise juste. Ben, au moins, c'est clair, c'est net. J'ai honte. Et alors l'autre dans l'autre trappe, il y aurait marqué j'en quoi? J'en sais rien, moi. Non, parce que vous connaissez bien, donc ça, vous avez l'air... Bah, je vous en prie, Laurence. Je sais pas. Non, mais... Vous nous dites que vous aimeriez bien avoir cette question-là. Ouais. Oh là là. Si j'ai levrette missionnaire, je devrais m'en sortir. Ah bah, écoutez... Oh là là, excusez-nous. Je vais pas chercher bien loin. Non, non, c'est une émission familiale et vraiment... Oui, je précise qu'on alors, est là, pas là, ce que vient de dire le monsieur, ça se rapporte à un animal et le reste, oui. c'est... Ce sont des gens qui vont dans des pays pas porter la bonne parole, là, ça n'a rien de... On y va.
Deux possibilités de réponse. Très bien. Désir. Position. On est en plein dedans. Elle est pas volontaire. Ok, un vrai Picard. Oui. Ok, on va voir ça. Ne le tentez pas. Non, moi je tente personne, vous savez. Fait le temps que je tente plus personne d'ailleurs. Qu'est-ce que vous faites? J'aime bien votre. Est-ce qu'on pourrait faire un gros plan sur Christophe qui vient de faire. Oh. Mais non, même genre. Non, Laurence, tu disais je tente plus personne, puis moi je fais quoi? Oui, c'est ça, genre. T'es ravissante. Oh, merci beaucoup. C'est bon, je vais à la pêche aux compliments maintenant. À l'ouest, jeu de boules. Alors, à l'ouest, c'est exactement ça. À l'ouest, on est, oui, là, on ça l'est, peut être ouais. De l'expression à l'ouest, autant que de la géographie, donc... Bénédiction. Encore. Jeu de boules encore, parce oui, que encore, ouais. Les rédacteurs sont obsédés. La langouste, ben, c'est de la langouste de Cuba, voilà, ou de Cuba. Le homard. Pardon, hein, je voulais pas dire ça. Je voulais pas dire ça. Ah, vous l'avez dit, hein. C'est les nerfs, hein. C'est les nerfs. Oui, c'est les nerfs. Là, ça lâche tout d'un oui, coup. Oui, oui. Tu veux mettre 250 000 là-dessus? Non. Non, tu veux mettre quoi sur quoi d'autre après? Parce que moi, la queue je sais de, pas. 17, de 70 cm. Tu veux mettre combien sur la queue? Sur la queue, on va mettre... Mais en plus, sur la table à citron, la table carrée, tu veux pas du tout mettre? Non, on élimine la table carrée. Les 17 billes aussi, on élimine. Je sais pas. Oui, le mime, c'est de la pâte à choux. Chou, oui, chou. Mais il y a pas de feuilleté, c'est sûr. Ah non, ça va. Oui, chou. Oui. Ah, maintenant, on se connaît. La première question, elle est déjà passée. Ah, déjà, on se connaît, nous, alors. Question 1, quand même. Hein. Toi, tu serais plus sur la table à citrou qu'elle. La table à citrou, ça me parle. Au billard, il y a citrou sur une table. Et la queue de 70 cm, t'as dit, ça me paraît petit pour une queue. Moi, ça me paraît petit, 70 cm. Moi, je dis rien. Ils peuvent pas jouer avec une queue de 70 cm. Bah alors, faut qu'on mise sur la table à citrou, alors. Donc, on met tout sur la table à citrou. Ou alors... Une queue de 70 cm, c'est pas possible, ça fait comme ça. Moi, je vois pas un mec au billard avec une queue de 70 cm. Mais avec 17 boules, ça passe. Parce que si je joue avec 17 boules avec une queue de 70 cm, tu peux peut-être s'en sortir, mais... Oh, je pense qu'il peut s'en sortir, très bien. 70 cm. Vous le connaissez depuis qu'il a quel âge? Depuis qu'il a 4 ans. Oh, ouais. Voilà. Oh, mignon. Je l'ai connu, il était dans la salle de bain, je le voyais pendant son bain, puis il était comme ça, il était rigolo comme tout. Voilà. Vous l'avez aimé tout de suite? Ah, directement. Ouais. Ah. Je m'en souviens plus, mais... Vous deviez être mignon dans votre bain. J'espère, j'imagine. Vous devez toujours être mignon dans votre bain, d'ailleurs. C'est gentil. Merci, Laurence. Merci. Je peux pas m'empêcher, c'est affreux. C'est affreux, je peux pas m'empêcher. C'est terrible. Le temps passe et je ne peux pas m'empêcher. C'est horrible. Que voulez-vous, hein? Ça c'est plus fort que moi. Il n'y a pas que les candidats qui ont le droit de se lâcher après tout, moi aussi. D'ailleurs, il faut noter que les candidats qui viennent affronter les trappes sont multicartes. Ils savent tout faire, chanter, danser. Parfois, j'ai l'impression de ne plus être sur Money Drop, mais plutôt sur Danse avec les trappes. Ou The Voice Drop. Enfin, un truc entre les deux. Alors, écoute, je vais essayer, moi, de chanter. Vas-y, je peux chanter ? Mais bien sûr, alors là ! Allez-y ! Alors, nous sommes deux sœurs jumelles. Et mon année. Mi fa sol la mi ré. Ré mi fa sol 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 ré do. Ré mi fa sol 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 ré do. Oui, ça y est, on l'a eu ensemble. Ré mi fa sol 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 ré do. Nous sommes deux sœurs jumelles nées sous le signe des jumeaux. Mi fa sol la mi ré. Ré mi fa sol 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 ré do. La 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 la. Mon cœur, c'est mon cœur. T'es sûr? Je suis une poupée de tireur, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Yeah! Peinture ou Michael Jackson? The Billy Jeans is the fine love. Ooh. It's together, the fine little one. Just my son. Soca dance. Soca dance. Soca dance.
ça, quand on était minots, je crois. Quand on était petits, là, son cadet, je m'en souviens. Tu vois, quand. Ah oui, regarde. Avait les grosses. Tu te rappelles à la boum, j'avais mis des chaussettes avec les. Les grosses chaussettes avec les sandales. Ah, les sandales, j'en souviens danser. C'est ouais, dance. Quelle chanson de Francis Cabrel. C'est l'encre de tes yeux. Puisqu'on ne vivra jamais. C'est pas la dame de Haute-Savoie. La dame de Haute-Savoie. Ça fait. Non, c'est pas un truc comme ça. Oui, c'est ça. La cabane du pêcheur, c'est. J'irai voir la cabane au fond du. Non, de cabane du pêcheur. La cabane au fond du jardin, c'est une autre. C'est pas ça. Un, deux, tres. Maria. Mais ça, c'est. Mais. C'est jeune. Donc, ça, c'est Ricky Martin, c'est ça. C'est Ricky Martin. C'est Ricky Martin. Ouais. Il avait le gel, là. Ouais. Le gel. Ouais. Il faisait. Ouais. Alors, le gel. Vous avez le Canada, ça peut être aussi Céline Dion, hein, hein. Ouais, super. Hein. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on fait? Natation française, tu ça me vient. M'aimes encore. Laurence, je trouverai des langages. Oui, je sais. Je suis pas sûr que ça marche avec vous moi. Chanter des louanges, je ferai nos bagages ouais. Pour aller au Laos. Pendant que le loup n'y est pas, si le loup y était, il nous mangerait. Que comme le loup n'y est pas, il ne mangera pas. Encore une fois pour voir. Alors promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Voilà. Ah, ouais. Bah, il n'y a jamais été parce qu'il n'a jamais mangé. Pardon. Désolé, siffle demain. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on pense? Je vous apprends à faire le twist. C'était le succès, ça? C'est comme si on écrasait une clope et qu'on s'essuyait le doigt avec une serviette. Du coup, ça donne ça. Ça marche? Alors, comme ça, il paraîtrait que parfois, je suis un peu piquante avec les candidats. Pas du tout. Mais alors là, jamais. C'est pas mon genre. Enfin, quasi pas. Bah, c'était une bonne intuition quand même. Christian Alfred Nobel est né à Stockholm en 1833. Il est donc suédois. Il est l'inventeur de la dynamite. Ça vous plaît pas ce que je raconte? Si, 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 bien. Fermée, mais... La dynamite, non, non, sérieux. Non, mais, ça, rattrapez-vous, non, mais, discutez entre vous. Hein. Non, alors non, non. Donc, chers téléspectateurs, il est l'inventeur, donc, l'inventeur de la dynamite, dynamite et le créateur donc des prix Nobel. Nobel. Et c'est pas la véritable andouille de Vire, parce non. Que Vire, c'est dans le... Bah oui, je ne parle pas à vous. Dans le Calvados. Dans le Calvados. Ah, bravo. Voilà, que tu as dit tout à l'heure. Impeccable. Commandant, c'est bel et bien dans la police nationale. Aussi eh oui. Ah, voyez, on en apprend tous les jours. J'étais persuadée que c'était gendarmerie aussi. Non. Vous avez eu un peu de bol. Ah, ouais, un petit peu ben de bol. Voyez, il y a bon Dieu avec nous. Ah, bon Dieu avec nous. Edwige et oui. Emma, vous n'avez pas picolé avant de venir. Jamais, mais c'est longtemps. C'est... Non, mais là, en coulisses. Non, rien. Mais non, mais... Ah, je vous promets que non. Ah, d'accord. Remarquez, je serais encore plus gay. Ah, plus gay, mais là, ça nous va très bien. Hein. Faut pas faire plus. Hein. Dites donc, Thomas. Alors, mon culture musicale. Il y a un moment, je vais vous le dire un petit peu de manière assez commune, il va falloir vous mettre une pile. Non, mais c'est vrai, maintenant, il va falloir y aller un petit peu, Thomas. On n'a pas encore eu foot et tennis aussi. Ah oui, mais... Ah. C'est que foot et tennis. Ouais. J'ai révisé ça. Bon, bah priez maintenant pour qu'il y ait du foot et du tennis. Les deux autres, ce sont deux mafias. Peut-être pas sur... Ce sont deux noms de mafias, ouais, voilà, la Cosa Nostra, mais je, c'est une mafia connais pas la sicilienne, la Cosa Nostra. Et Camorra, je crois que c'est napolitaine, je suis pas sûr. Vous y connaissez, hein? C'est ah nous, ouais, ça. En mafia. J'ai vu quelques films, je travaille pas pour eux, ça c'est sûr, mais j'ai vu quelques films. Ouais, ouais. Ok. Plutôt italien? Ouais. Cappuccino. Tu es sûr de déjà, toi? Cappuccino. Voilà. Non, mais en Italie, c'est tout avec des A, blablabla, blablabla. Attendez, faites gaffe parce que je m'appelle Boccolini et le réalisateur voilà. Manganaro. Alors, si vous voulez pas être complètement coupé au montage, vous êtes mal tombé. Faites très attention à ce que vous dites sur les ritales. Hein. Bon, non. D'accord. Cappuccino. Non, moi, je trouve que Italie, finalement, c'est super. L'hormone, une hormone de croissance, une hormone corporelle, on peut peut-être s'en sortir. Surtout que vous avez fait de la chimie. La testostérone, si tu veux, les hormones... Attention, chimie organique et inorganique, ça n'a rien oui, à non, voir. Non, mais bon, pour nous, c'est chimie.
pointe. Eh ben, attendez, j'ai pas posé la question. Ah oui, pardon. Mais si je peux m'en aller, si vous voulez. Non. Fais le jeu toute seule. Allez. Question. Prix Nobel. Pardon, qui a roté? C'est ça, maintenant, les prix Nobel, il y en a les tellement. Les thèmes. Non, mais... Prix Nobel. Mais on rêve, hein, franchement. Qui a roté, une question... Alors donc? Qui a roté? Allez-y, je sais ça. Moi, j'essaye, franchement, j'essaye avec ce que je peux, hein, mes atouts naturels, d'apporter un peu de chic, un peu de glamour, hein, cette émission, sur cette chaîne. Et voilà, j'ai des thèmes comme ça, donc c'est désespérant. Oh, mais... Moi, je les adore, mes candidats, et comme dit le proverbe, après tout, qui aime bien, châtie bien, non? Alors, je sais pas si c'est à cause de moi ou des trappes, mais de temps en temps, sur le plateau, certains candidats se mettent, comment dire, à bugger. Vous avez un bonus temps, souhaitez-vous l'utiliser? Alors, est-ce qu'on souhaite utiliser? Est-ce que t'es sûr que c'est tapé dans un mallon, que c'est pas tondre le gazon? Parce que dans le clip, il me semble qu'il tond le gazon. Fais gaffe. Et regarde la télévision. Alors, c'est clair qu'il mange pas du saucisson. Mais est-ce que t'es sûr que c'est tapé dans un ballon à 100%? Parce que moi, je te fais confiance. Mais c'est vrai que dans le clip, il tond le gazon. Fais gaffe. Non, va taper dans un ballon. Dans un ballon, t'es sûr? C'est pas je vais tondre le gazon. Céline, tu me fous les jetons là. Va taper dans un ballon. Va taper dans un ballon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on utilise un... Non, on n'utilise pas le jeu. Non, on utilise pas bonus temps. Sûr. Va taper dans un ça va, Céline? Oui. C'est quand même beaucoup d'argent. Je pense... Céline, sous pression, c'est particulier quand même. Koh-Lanta. Koh-Lanta. People. Koh-Lanta, c'est... Koh-Lanta. Alors, Koh-Lanta. Hey, j'ai mon pote Jean-Louis. Regarde, Koh-Lanta, là, ça, il aurait été nickel. Mais il est pas là, Jean-Louis. Non, Jean-Louis, il est pas là. Mais regarde tout ça, lui. Dame de ça, Jean-Louis. Koh-Lanta, ça se passe sur l'île là-bas, je sais pas où là. Oui, Koh-Lanta, t'as regardé un petit peu ou pas, Vincent? Non, je regarde pas parce que j'aime pas alors, je regarde pas. Bah, ça, moi, c'est une bonne raison, il aime pas, il regarde pas. Non, non, avant je regardais Columbo. Et People. Alors? Fais-moi voir ta main. Ben oui, mais ça dépend laquelle, écoute-tu. Je ne suis pas sûr que les Italiens ont les mêmes mains que les Polonais, hein. Ça peut... Mais non, mais... Peut-être que lui, il en a plus, non? Fais mais voir. Mais non. Fais voir. Attends, je suis pas... Un, deux, quand même. Un martien, un, deux, trois. Si écoute, je te fais mal, tu me dis. Mais non, hein. Mais oui. Attends, mais trois, il y en a bien trois. Mais si. T'es sûr que c'est non, ça? Mais si, bien sûr. Attends, le haka, c'est ça, attends. Tu sais que tu as pas haka, c'est pas ça? Parce que c'est pas ça, le haka? En fait, selon... Non, mais la danse, c'est ça, bam. Selon les régions, comme ça... Non, l'Italie, ils vont pas te danser le haka, qu'est-ce que tu me racontes? L'Australie, non plus. Le Vanuatu, je connais pas. Attends, Voilà. Mais qui peut la Nouvelle-Zélande? La Nouvelle-Zélande. Vos papiers. On a des papiers, hein, les Français. Hein. Non mais, je précise. Hein. On sait jamais. Non mais, voilà. Mais on a rien dit. C'est vrai. Oui, ben, on est proche. On a nos papiers. Alors, pourquoi on nous demande vos papiers? Vos papiers, ah bah oui. Donc. Attends, les papiers, c'est quoi? Permis de conduire. Permis de conduire. Voilà, hein, combien de fois on perd si on fait ça? Ouais, mais si, hein, dans le testament ou je sais pas quoi, mais moi je suis jeune, je sais pas moi. Ouais, oh, tu préfères le cabas alors? Non mais essaie. Reprenez vos 225 000 euros, vous pouvez les reprendre. Allez-y. Alors, quand il faut écouter le grand frère. Attends, qu'est-ce que... Alors, si vous allez, reprenez vos 225 000 euros. Eh oui, les émissions se suivent, se ressemblent. Jamais, on peut s'attendre à tout. Et sur le plateau de Money Drop, on en a vu passer des candidats. Plus de 600. Ça en fait pas mal, hein. Pas vrai, les garçons? Voilà, bon. Mais pour nous, chaque candidat est unique, et pour certains, heureusement qu'ils le sont, uniques. Sylvie et Franck,
3-6. Jouons maintenant à Money Drop. T'as voulu mettre le paquet sur le même, j'espère que t'as raison parce que... Arrête. On avait le choix entre les deux. Bon, moi j'aurais fait 50-50, hein, je veux dire. Toi tu... Mais oui, mais moi... Oui, non, mais tu mets tout sur... Mais tu oui, fais, mais... Tout mettre, tu fais tout mettre, 50, moi j'arrive... Si, tu perdais non, la moitié, c'est... On perd la moitié, mais là... Là, c'est risqué, quand même. C'est risqué. Mais oui, mais... Ah ouais, mais attends. Mais si moi, tu prends pas... Mais non, mais... Alors, vous êtes gonflé. Elle a eu raison. Hein. Pendant les 10 dernières secondes, vous l'avez enguirlandé, comme c'est pas permis. La non, pauvre, elle en a entendu. Alors, ah, parce que moi, j'aurais pas fait ça, et machin, j'aurais pas fait ça. Et tout d'un coup, oh ma chérie, tout ça. Bon, alors, 9 euros, non, vous mais... reprenez votre argent. Reprenez vos sous. Dites donc, hein. Non, mais la reine. Dites-lui merci. Dis-moi merci, ouais. Dis-moi merci. Non, mais, hein, parce que non, voilà. Mais je t'ai suivi, hein, je t'ai suivi. Oui. Je t'ai suivi. Parce que je savais. Ouais. Il faut m'écouter aussi de temps en temps, parce qu'il n'y a pas. Oui, ce que serait toi. Bien que vous l'écoutiez de temps en temps. Parce que voilà. Alors. C'est toujours lui. Non, lui. Non, allez, commence pas. Hein. Commence pas. C'est bon. Non. Ah, mais dépêche-toi. Mais attends, tu vas pas m'engueuler quand même. Attends, c'est pas possible ça. Attends, mais on se gêne là. Mais tu te gênes. Bon, mais écoute, hein, je t'ai suivi, hein. Oui. Pas de problème. Oui, bah, bien sûr, ce sera de ma faute, quoi qu'il arrive. Ouais, hein. Bon. La clavicule. Si il est toujours comme ça. Il n'y a pas de problème. Bon, la clavicule, le coccyx, il n'y a pas de problème. Vas-y. Si, on n'a plus de temps à prendre, là. Bon. Oui, mais c'est ça. Tu fais les questions. Mais vous le saviez, Francis, ou pas? La réponse? Oui. C'est entre l'étrier et le éperon. Bien sûr, moi je dis, toi tu dis comme moi. Ah oui, comme mais ça. Tu veux que je mette sur la clavicule peut-être. Si jamais on je vais les mettre sur la clavicule. Mais je t'ai suivi. Bon, non, alors, mais puis quoi encore non, vos mises, vos mises sont enregistrées. C'est bon. Ah, ben c'est tant mieux. Bah oui. Oui. Tant mieux. Tu perds 25 000 euros et tu tant mieux, toi. Ah oui, mais bravo. Non, mais tu recommences. Non, non, voilà. Je savais que c'était ça. L'émotion, C'est l'émotion. Elle m'a retenu le bras. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. J'étais sûr de la réponse, Laurence. J'ai hésité au départ. Oh, ouais, je confirme, bien sûr. Non, mais j'ai hésité au départ. Et après, j'étais sûr, tous les 4 ans. Oui, mais c'est ça. Parle à Laurence, t'as raison. Bah, moi, explique-toi, c'est toi qui avais raison. Non, mais je t'ai dit. Non, mais c'est vrai que j'ai remercié. J'étais sûr bien. De la réponse. Je t'ai remercié. Mais ben, c'est pas grave, c'est pas grave. On joue ensemble. Hein. On joue. Bah oui, là. J'aurais joué tout seul. Oui. Hein bah là, faut jouer ensemble. Si t'aurais joué tout seul, t'aurais pas perdu les 25 000 euros, excuse-moi. C'est pas grave. Mais bon. On réglera ça en dehors du jeu. Alors. C'est jaune. Et le bleu. Bleu foncé. Francis, vous étiez parti sur le jaune et Sylvie sur le rouge. Oui, il m'a pris de mais mon côté. Pourquoi vous lui avez pris? Il m'a pris ma partie. Pour c'est l'intuition masculine. Ouais, d'accord, mais vous êtes sûr d'avoir raison, quoi. Oui. Parce que moi, si je fais ça, c'est que je suis sûr d'avoir raison. Non, or, toi, tu le fais. Non, mais je viens d'avoir un flash. Ouais. Alors, Sylvie. J'espère. Je viens d'avoir un flash. Je me suis souvenu. Oui, la dernière partie de Monopoly qu'on a fait, j'ai eu un flash. C'est. Oh Francis le flash. Le flash. C'est le rouge. Le flash. C'est le rouge. Il est où le flash? C'est le rouge. Oh, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est le rouge, mais c'est pareil, c'est le bon, rouge. Bon, mais pourquoi tu m'as piqué mes billets à la dernière minute? Parce que c'était le rouge. Mais non, t'es pas sûr à 100%, tu me piques pas mes billets. Non, mais c'est pas grave, ça, c'est pas grave. Ça, c'était mon tas, ça, c'était c'est embêtant, le tien. C'est embêtant, chacun c'est... avait ses convictions. C'est embêtant, bon. Mais c'est pas grave, Aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier. Alors, je vais vous révéler un petit secret. Vous savez quel est mon moment préféré dans cette émission? Bah, c'est celui que j'attends chaque soir, mon petit péché mignon. C'est ça. Nous le saurons dans un instant, juste après la pub. Pour rêver, c'est bon. De retour sur le plateau du best-of de Money Drop pour revivre certains des meilleurs moments de l'émission. Alors c'est vrai qu'elles sont impressionnantes, hein, ces trappes. Je comprends que pour certains candidats, lorsqu'il faut miser,
eh ben rien ne va plus. Hé, hey, on n'est pas... Attends, c'est pas vrai, Laurence, il va falloir qu'elle rentre chez elle. Ah, maman, on va pas ouais, la garder. Maman. Marquez-moi. Maman. Je suis bien, là, moi, je suis assise. Hein. Elle a un mari, elle a tout ça. Pour toi, tu vois plus. Elle voit le Sahara, elle vous l'a dit 15 voilà, fois. Voilà, moi, je te l'ai dit 15 fois, je vois le Sahara. Alors, écoute, maintenant, j'en ai marre. Attention. Tant pis. Vous en avez une, oh. Tu touches plus, maintenant, hein. Et comme on dit en Afrique, Inch'Allah. Eh ben voilà. Alors une. Il est où? Il est où le petit? Allez, il vas-y. Est où le kiki? Il est là le kiki. Vas-y maman, vas-y. Le kiki du kiki. Allez, vas-y. Sans le d'abord, sans le, sans le. Mmh, il sent bon. Allez, c'est bon. On y va. Tu m'en voudras pas? Ben, je t'en voudrais, 65 000 euros, tu les as, toi? Bon. Ben, et vous? Je les aurai jamais. Là, c'est toute ma vie qui s'en va. Déjà, alors, attends, déjà ça, là, je le touche, je ne toucherai plus jamais de ma vie. Alors, attends. Oh. C'est des vrais, tu vois? Attends, la dernière. Une dernière fois. Une dernière fois, on sait jamais. Eh non. Attends. Mets dedans. On s'en voudra pas. Et crois-moi que c'est moi qui prends la décision la plus. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse comme ça? Est-ce qu'on prend le bonus temps? C'est la question. Ben moi je sais. Allez, un, on réfléchit. Deux, trois, on laisse. Et sur quoi d'autre alors? La reine vierge. La reine vierge, mais c'est vraiment. Et grande Catherine, je mets non. Ou pas? Non. Du tout. Du tout non. Sur rien du tout. Non. Alors pourquoi on met pas tout sur Berthe Grandier? Alors d'accord, on met tout sur Berthe Grandier. Non mais papa, t'es sûr? Papa, elle est super, Antonia. Papa. Non mais c'est un ouf. Papa, t'es sûr? Oh là là. Non mais pourquoi je l'ai mis? Allez. On est là. J'adore papa, Antonia. Allez. Papa, t'es sûr? Ah ben oui, sinon je l'aurais pas fait. Ah non mais il faut. Il, pourquoi je l'ai choisi? Quand vous regarderez l'émission, vous regardez comment vous faites. Hein, c'est rigolo, hein. Alors, on va mettre là et là. Mais pourquoi on a... Alors pourquoi on met pas tout là? Ben alors on met tout là, mais pourquoi t'as tout mis là? C'est lui qui me dit qu'il hésite entre plusieurs et finalement il met tout oui. Là comme ça au dernier moment. 4, 3, 2, 1, étoile. C'est pas étoile là. Alors, je vous propose quand même vos bonus temps. Non. Non. C'est pas non. La peine. Non. Ça vous ferait plaisir? Moi non, moi pas. Non. Faites ben ce que non. Vous voulez. Si vous voulez qu'on reste un peu plus, il n'y a pas de souci. Hein, non, on peut amuser c'est la galerie. Pour vous. Est-ce que vous voulez utiliser vos bonus temps? Non. Non. D'accord. C'est notre dernier mot. Ok. Une chose est sûre, c'est que sur le plateau de Money Drop, on vit de belles et intenses émotions. Et pour certains candidats ici, eh ben c'est vraiment Noël avant l'heure. C'est trop beau. Oh, putain. Oh, merci. Bravo. C'est bravo trop à vous. Bravo. Ouais. C'est difficile, hein. Merci. C'est difficile avec 175 000 euros du jour. Merci. Ah, on a cru. Bravo merci. À vous. Merci. 175 000 euros. C'est le plus gros gain de l'histoire c'est de Money Drop. C'est le plus gros gain. Oh, 75 000 merci, euros! Merci. Donnez-les à Xavier, vous allez merci. Voir!
Ben voilà. C'est tout pour ce soir. Je vous souhaite vraiment à tous et à toutes un joyeux Noël. Profitez bien et n'oubliez pas qu'on se retrouve demain sur TF1 avec de nouveaux candidats et encore de nombreux moments exceptionnels. À demain et joyeux Noël.